Mali, le 25 mai 2023, le gouvernement intérimaire a adopté un projet de décret fixant les modalités de vote anticipé des membres des forces armées et des forces de sécurité lors du référendum constitutionnel de 2023. La loi électorale stipule que le vote aura lieu dimanche, selon un communiqué de presse du Conseil. Toutefois, le cas échéant, le vote peut avoir lieu tout autre jour de la semaine, sauf en cas d'élection présidentielle de la République. Il stipule également que les membres des forces armées et des forces de sécurité pourront, le cas échéant, exercer les droits de vote à partir du dimanche précédent les élections législatives, a expliqué le Conseil. Des responsables mauritaniens ont présidé une réunion du comité de surveillance de l'accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques à Nouakchott le 24 mai 2023. La réunion s'est tenue à la demande de tous les partis politiques et a réuni les partis de la majorité et de l'opposition ainsi que la Commission électorale nationale indépendante CNI. Au cours de la réunion, les participants ont discuté de l'évolution du premier tour des élections législatives tenues le 13 mai 2023. À l'issue de la réunion, il a été recommandé que des efforts soient déployés pour élargir l'adoption d'approches permettant de poursuivre les travaux du comité de suivi des accords politiques en tant que cadre de référence globale et en tant que mécanisme efficace et de valeur avérée. Au Nigeria, le président Eli Asiwu Bola Ahmed Tinubu a souligné samedi 24 mai 2023 l'importance de la démocratie, déclarant qu'elle restait le seul moyen par lequel le développement durable du Nigeria pouvait être conduit. S'exprimant lors d'une conférence à Abuja, Tinubu a souligné le rôle indispensable de la démocratie en tant que pierre angulaire du progrès et de la prospérité de la nation, soulignant son importance dans la promotion des intérêts de la nation. Le président élu a appelé les citoyens à se joindre à l'administration entrante pour inaugurer un Nigeria meilleur, réaffirmant l'engagement du nouveau gouvernement envers les idéaux démocratiques. Le conflit entre la presse privée guinéenne et les autorités de transition est enfin résolu. Les revendications de l'Association de la presse et des syndicats ont été satisfaites. Ce vendredi 26 mai, l'Association de la presse et des professionnels de la presse a décidé de cesser les représailles contre les autorités intérimaires dans le but de les contraindre à lever les restrictions imposées aux médias. Cette décision fait suite au retour de la radio Sabari FM, Love FM, à l'arrêt du brouillage de certaines fréquences radio et de la levée des restrictions d'accès à certains sites d'information en ligne. Une autre demande des médias est de supprimer les restrictions sur les réseaux sociaux. Les autorités ont accédé à la demande au lendemain de la journée sans presse du mardi 23 mai 2023. La zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, donnera la priorité au commerce agricole intra-régional pour libérer le potentiel agricole de la région et assurer la sécurité alimentaire régionale, a déclaré le 25 mai 2023 le secrétariat général de l'institution. Ce dernier a fait ce vœu dans son allocution d'ouverture lors du 7e forum du leadership africain à Accra, la capitale ghanéenne, soulignant la nécessité d'inverser la facture des importations alimentaires du continent en utilisant ses abondantes terres arables pour devenir autosuffisant en production alimentaire. La ZLECAF a déploré que malgré le vaste potentiel de production alimentaire de l'Afrique, le continent reste un importateur net de produits alimentaires avec une demande de produits tels que les céréales, la viande, les produits laitiers, le sucre, dépassant l'offre intérieure.